Ok les gars, aujourd'hui on est parti dans le parc national des Calanques. Voilà, donc on va essayer d'aller à la croix de Marseille-Vert. On va essayer, on va y arriver. Vu qu'en fait, à chaque fois je pars de chez moi et ça me prend juste des kilomètres. Donc voilà, on part sur du. Un peu plus de 20 km. Et voilà, c'est assez sympa. Un petit sous-bois. De quoi vous régaler. Là, on va direction une magnifique grotte traversante. Donc on va se régaler la folie. Ok, donc là on va arriver sur un petit spot d'escalade pour arriver à cette magnifique grotte donc justement. Et vous allez voir, c'est trop bien. Ok, le but aujourd'hui c'est d'aller tout là-haut, juste derrière. Et voilà, ça va être juste merveilleux. Petite vue sur la mer et les collines. Voilà. De quoi vous régaler. Et voilà. Chose promise, chose due. On arrive à cette grotte traversante. C'est ça qui est beau. Et ouais les gars, il faut se manger ce dénivelé là. Pouf, prends-toi ça. Ok, donc là dans pas longtemps, on va attaquer. Et l'une des dernières portions pour aller à la croix. Et voilà. Donc il faut monter là-haut. Voilà. On vient de tout là-bas. C'était déjà qu'on a fait une grosse montée. Et là, il faut faire l'ascension de quelques mètres. Et derrière, on voit la croix. C'est parti. Let's go. On va percevoir. Allez, juste ici. Allez.
Marseille vers la Croix qui surplombe Marseille, tout Marseille, qui a une vue en 360. Et je n'en passe pas en plus pour voir la ville de Marseille, Prado, la bonne mer juste en face. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça va vraiment vraiment beaucoup m'aider, à vous abonner et à partager, à commenter, tout ce que vous voulez, mais au maximum, ça va m'aider énormément et j'apprécie de plus en plus votre aide. Donc allez-y, foncez, voilà, que dire de plus. Je vous laisse sur ce paysage, beau panneau.